Bonjour! Bonjour Baptiste. Bonjour. Baptiste, on est très heureux d'être chez toi. Merci de nous accueillir dans ce lieu. Alors, je ne sais pas si on peut dire un bar, un pub. Un pub, oui. Un pub qui s'appelle? Le Terrier. N'oubliez pas Le Terrier. Alors, on va parler tout d'abord, on va saluer ton associé qui s'appelle Prudence, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui est avec nous par le cœur, bien évidemment. Bien entendu. Donc, Baptiste, ce bar, il a été créé il y a combien de temps? On est ouvert depuis le 19 mai. Oui. Bon, on aurait dû ouvrir avant, mais bon, les circonstances ont fait que. Qu'est-ce que je rajoute à ça? Je crois qu'en fait, Baptiste, je crois qu'il n'y a rien à rajouter, il faut venir. Mais il y a quelque chose qui est quand même surprenant, c'est que on a l'impression, il y a combien de mètres carrés à peu près? Un peu plus de 70 mètres carrés. 70 mètres carrés, il y a plein d'endroits différents. Alors ça va des années 70, des années 80. Alors il y a même des photos de Hitchcock, de Charles Trenet, de Romy Schneider, tout ça Ouais. se mélange un petit peu. C'est voulu ce décor un peu, et qui est pas un peu, très atypique. Ouais, alors les photos, c'est une idée de Prudence. On a essayé de faire un melting pot de nos idées, de nos univers respectifs, pour essayer de créer un endroit un peu original, le plus original possible en tout cas, et assez hétéroclite dans les styles en tout cas. Alors mon cher Baptiste, puisque vous parlez d'originalité, soyons originales. Si on vient au Terrier, ben, on peut jouer. Il y a des jeux, on peut jouer au Monopoly. Exact. Alors le Monopoly, ça va être compliqué, j'en ai pas encore. Peut-être plus tard, je mettrai un Monopoly pour faire plaisir. Merci. Après, si vous avez un Monopoly, vous pouvez aussi le ramener, hein, faire un don au bar, je ne sais pas. Mais on a quelques jeux, ouais, auxquels Ben vous pouvez oui, prendre. il a le sens du commerce, hein, ce garçon. Vous avez... Donc, comme on disait sur les Il jeux, faut, on a Baptiste. quelques jeux, ouais, pour passer des petites soirées jeux. Donc on a des loups-garous, des blancs-manger coco, des jeux de bar, entre guillemets, assez classiques. Et on essaie, pareil, de renouveler le gamme de temps en temps en trouvant des jeux qu'on pourrait dans des brocantes ou dans des boutiques à droite et à gauche. Alors, originalité, on l'a dit bien évidemment, mais originalité aussi dans le contenu, puisque vous êtes un grand spécialiste, vous et Prudence, de la bière, mon cher Baptiste. Alors, de la bière locale en tout cas. Voilà, local, bien sûr. Ouais, on essaie de trouver le plus possible de bonnes bières locales en tout cas. Donc, on renouvelle notre carte régulièrement. On a rentré quelques nouvelles brasseries récemment. On les poste assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Et je suis toujours à la recherche de nouveaux brasseurs, en fait, de nouveaux produits, etc. J'en trouve assez régulièrement et assez régulièrement. D'ailleurs, c'est marrant, les clients viennent me faire la pub de brasseries qu'ils ont découvertes. Alors justement, j'ai une question. Est-ce que la poison est dangereuse? Non, la poison n'est pas dangereuse pour la santé. J'en ai bu tout à l'heure, c'est pour ça. Donc elle n'est pas dangereuse, bien évidemment. Non, elle est même très bonne. C'est une bière locale de Metz, qui est très populaire à Metz d'ailleurs, et que j'ai rentré tout récemment en format original à la pression. Un best-seller, on va dire. Donc grand choix de bière. Ouais. Par contre, il y a un gros souci quand même, Baptiste, on va se le dire franchement. Quand on vient Dites-moi. au Terrier, on n'a plus envie de partir. Parce que non seulement il y a de la bière à boire avec modération, toujours, mais il y a des jeux, il y a aussi il y a une décoration qui est très particulière. Et puis il y a surtout, Baptiste et Prudence, votre accueil à tous les deux, qui fait plaisir et qui, on est comme à la maison en fait. Et c'est tous les âges, hein. Vous avez une clientèle qui est vraiment, les jeunes, les moins Ouais. jeunes, tout le monde se retrouve ici au Terrier. Ouais, c'est gentil. On a essayé de créer quelque chose d'assez cocooning pour que tout le monde puisse s'y retrouver et passer du bon temps en fait. Donc on a un public d'une manière générale assez hétéroclite, on est plutôt content là-dessus de notre clientèle. Et ben voilà, je ne sais que rajouter. En tous les cas, c'est pas du poison, donc je la garde, je la ramène à la maison. Et puis on se dit à bientôt, Baptiste. À bientôt, Un gros merci. bisou à Prudence. Merci. On va rappeler l'adresse de ce bar, ce pub qu'il faut absolument découvrir ou redécouvrir, c'est le Terrier. 9 Place Chevert à Verdun.